Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 5 janvier et nous sommes en direct comme tous les soirs. Nous allons pendant 60 minutes essayer de décrypter en votre compagnie ce qui fait l'actualité internationale et nationale. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos questions, vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont monsieur Abdelhafid Walalou, vous êtes vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Hakim Marakchi, vous êtes vice-président en charge de la coopération internationale à la CGEM, la Confédération générale des entreprises marocaines. Et enfin, Mohamed Zakaria Aboudahab, vous êtes professeur de droit économique international à l'université Mohamed Khamis de Rabat. Merci d'être avec nous ce soir. C'est le premier partenaire économique du Royaume, l'Union européenne. Représente en effet 67% du commerce extérieur global du Maroc. Et pourtant, le 10 décembre dernier, le tribunal de l'Union européenne a émis un arrêt pour demander la suspension des accords agricoles conclus avec le Royaume, estimant, je cite, que l'application de cet accord au territoire du Sahara occidental violait le droit international et les engagements de l'Union européenne. Depuis, notre gouvernement a réagi vivement en incitant les ministères à suspendre ses relations avec les instances de l'Union européenne. Quels sont les scénarios désormais possibles concernant le devenir de ces accords? Pourquoi une telle décision? En quoi consistent-ils exactement ces accords? Quel poids représentent-ils dans l'économie marocaine? Les négociations pour approfondir ces accords qui ont repris ces derniers mois sont-elles compromises? Accord Maroc, Union européenne, une remise en question, c'est le titre de l'émission de ce soir. L'Union européenne, premier investisseur étranger au Maroc et plus important partenaire commercial du Royaume. Rabat et Bruxelles sont liés par un accord d'association signé en 1996 et entré en vigueur en 2000. Avec cet accord, les droits de douane sur des échanges de produits industriels, de l'agriculture et de la pêche ont été progressivement supprimés. Alors quels sont-ils ces produits exportés par le Maroc vers l'Europe? Principalement des vêtements, des produits agricoles, des machines et du matériel de transport. Dans le sens inverse, le Maroc importe principalement de l'Europe des biens de consommation, des produits chimiques, des carburants et aussi des machines et du matériel de transport. Ce nouvel agenda a aussi entraîné de fortes augmentations de l'aide européenne au Maroc. Elle s'élève à près de 200 millions d'euros par an. Le Maroc est le premier bénéficiaire de la politique européenne de voisinage. En 2008, dans le cadre de l'accord d'association, le Maroc s'est vu reconnaître un statut avancé avec l'Union européenne. L'objectif était triple, renforcer la coopération sur les plans politiques et sécuritaires, intégrer progressivement le Maroc dans le marché intérieur de l'Union et élargir le partenariat à de nouveaux acteurs. Concernant plus particulièrement les produits agricoles, des protocoles prévoient un traitement spécifique. L'accord agricole, entré en vigueur le 1er octobre 2012, va vers une très grande libéralisation des échanges. En 3 ans, 55% de la valeur des produits agricoles marocains a pu accéder au marché européen sans droit de douane, à l'exception de quelques produits sensibles, comme la tomate. En sens inverse, 45% de la valeur des produits de commerce agricole en provenance de l'UE a accédé au marché marocain sans droit de douane. Elle atteindra 61% en 2017. Enfin, des négociations sur un accord de libre-échange complet et approfondi ont été lancées en mars 2013. Son but, une intégration plus poussée du Maroc dans l'économie européenne, grâce notamment à la réduction des obstacles non tarifaires, la simplification des procédures douanières, la libéralisation du commerce des services, la protection de l'investissement et une harmonisation des réglementations. Bien, messieurs, alors, 60 minutes ce soir pour comprendre ce qu'on va essayer de comprendre, en plus du contenu de ces accords qu'on vient de voir dans ce sujet de Alison Fernandez. On le verra dans une deuxième partie pour essayer d'aller plus profondément dans le contenu de ces accords et l'impact que ça peut avoir sur le Maroc, bien sûr, et ce qu'on en tire. Mais cette décision, aujourd'hui, le 10 décembre, dernier du tribunal de l'Union européenne de suspendre ces accords, jugeant que l'application de cet accord au territoire du Sahara occidental violait le droit international et les engagements de l'Union européenne. Comment on peut accueillir une telle décision? Est-ce que c'est une décision politique, juridique ou purement économique? Professeur Boudin. Merci de l'invitation. Moi, je crois, bon, d'abord, c'est une décision évidemment qui a été rendue par la 8e chambre relevant du tribunal qui fait partie de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est une décision juridique, évidemment. Les juges ont été saisis par une requête qui a été introduite par le représentant
ce qu'on appelle le Polisario en 2012, justement pour remettre en cause l'accord agricole qui a été conclu entre le Maroc et l'Union européenne. Donc ça, c'est une requête qui avait été déposée en 2012. Hein, donc c'est l'aboutissement finalement d'une requête déposée en 2012. Vous pouvez remarquer que la procédure est un peu longue, puisqu'il fallait instruire le dossier, recueillir tous les éléments factuels autour de la question et en même temps préparer l'argumentaire juridique. Évidemment, toute décision, d'une manière ou d'une autre, recèle une certaine connotation politique, voire même stratégique. Évidemment, quand on lit la décision, on voit très très bien que les magistrats sont allés un peu très loin dans leurs qualifications juridiques, en rappelant des considérations liées au statut de ce qu'on appelle les mouvements de libération nationale en droit international, en rappelant des avis consultatifs qui ont été rendus en 2002, les négociations entre le Maroc et le Polisario, l'ONU, etc. Et donc c'est une décision qui est quand même importante du point de vue du droit international, sachant bien que le droit communautaire lui-même, il le dit, est autonome par rapport, en tant que corps juridique communautaire, par rapport au droit international. Donc je crois qu'il faut prendre le temps d'examiner les éléments de cette décision judiciaire rendue en première instance par un tribunal qui fait partie de la Cour de justice de l'Union européenne, et examiner également la portée et les incidences de cette décision. Alors on reviendra, parce que c'est vrai que, juste pour qu'on puisse comprendre, l'Union européenne, c'est une grosse administration, si on passe dans les arcanes, pour voir dans les tuyaux législatifs pour ce genre de choses, vous l'avez dit, 3 ans déjà pour qu'une décision soit rendue. Ce sera intéressant de voir, bon, simplifier, ça va être dur en 60 minutes, mais essayer de comprendre comment ça fonctionne, et est-ce qu'il y a eu des précédents en la matière. Mais pose la question, le timing a été choisi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui une décision de ce type pour un partenaire, le Maroc, qui est quand même, je ne vais pas dire un partenaire exemplaire, mais qui dans la région est quand même un des plus stables. Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un problème d'actualité, bien sûr, qui intéresse et les Européens et les Marocains, sachant très bien que depuis la signature de cet accord d'association en février 1996, qui a été adopté à l'unanimité par le Parlement marocain à l'époque. J'avais le plaisir d'assister à la conférence de Barcelone en novembre 1995 et tout le monde parlait de cet accord de partenariat euro-méditerranéen. Le Maroc a opté par un vote unanime du peuple marocain pour ce partenariat stratégique. Et comme disait notre ambassadeur M. Joly de l'Union européenne à Rabat, les rapports entre le Maroc et l'Union européenne sont tellement trop forts et stratégiques que des incidences comme ça, isolées, peuvent les remettre en cause. Donc, nous Vous sommes dans une incidence isolée. Isolé pour les Européens, c'est toujours l'ambassadeur européen qui le dit. Pour nous, c'est une question de souveraineté nationale, c'est une question qui est relative à des accords qui ont été signés par les deux parties, par le Maroc et le Conseil de l'Europe, adoptés par le Parlement, et puis maintenant, ils sont remis en cause. Je peux dire que cet accord agricole et de pêche qui est remis en cause par la Cour européenne de justice n'est pas suspensif. C'est-à-dire que les accords restent toujours. Ça continue jusqu'à ce que les recours soient consommés, épuisés, et aussi les délais donnés pour ces recours soient consommés aussi. Donc nous sommes en mesure, en tant que Maroc, de procéder à ce qu'on appelle le droit de se porter, disons, partie intéressée, du moment que c'est une question entre les institutions de l'Union européenne, entre la Cour européenne de justice et le Conseil de l'Europe, sachant très bien que pour nous, pour les auditeurs et auditrices qui nous suivent, les mécanismes de l'Union européenne sont tellement complexes qu'il faut vraiment être... Ouais. Un expert des questions de l'Union européenne, parce que vous avez le Conseil des chefs d'État, le Conseil des ministres, la Cour de justice, le Parlement européen, la Commission et les différentes commissions de Bruxelles, la Cour des droits de l'homme, et j'en passe. Donc il y a tellement d'instruments, de procédures, d'institutions que même jusqu'à présent, les Européens, à leur tête les Anglais, mettent en cause cette bureaucratie et ces institutions que pose vraiment ce litige entre le Maroc et l'Union européenne. Si vous représentez les opérateurs, comment on accueille
une telle décision? Déjà, d'emblée, comme ça. C'est-à-dire, et déjà, est-ce que vous la prenez, excusez-moi, passez-moi l'expression, comme ça, sur la figure, ou il y avait des choses qui sous-tendaient à, de telles, à une telle décision? Non, sur le plan économique, bien entendu, lorsque nous avons appris la décision de la Cour de justice européenne, nous avons été extrêmement surpris et en même temps rassurés du fait que c'est une décision non exécutoire. Donc, comme cela a été dit par M. Walaalo, comme l'a dit M. Zakaria Abu Daheb, bon, c'est, pour l'instant, c'est un élément technique qui est posé sur la table. On doit donner des réponses également techniques. Je pense que politiquement, l'Union européenne, disons, n'a pas le poids qu'elle a sur le plan économique. Disons, l'Union européenne se caractérise par des prises de parole qui sont multiples. Et donc, il n'y a pas, pour l'instant, pour nous, en tant qu'opérateurs économiques, de conséquences à cette décision. Alors, bien sûr, on doit prendre garde, on doit, disons, s'atteler à travailler notre dossier pour expliquer le bien fondé de la position du Maroc, pour expliquer, d'ailleurs, comme cela avait été dit par Sa Majesté dans son discours du 6 novembre, que le Maroc investit beaucoup plus dans les provinces du Sud qu'il ne tire de profit économique, et donc la question en réalité ne devrait pas se poser. Donc je pense que c'est une présentation de notre dossier qui doit être d'ailleurs le fait d'ailleurs de nos partenaires européens, puisque c'est un problème entre Européens qui est posé. C'est l'Union européenne qui, lorsqu'elle a présenté les éléments à son Parlement, a omis certains de présenter certains aspects bon, que les Marocains doivent leur soumettre. Mais nous n'avons pas de doute sur la continuité des relations économiques entre le Maroc et l'Union européenne. Nous sommes un partenaire important pour l'Union européenne, nous sommes un partenaire important pour le sud de l'Union européenne. Je crois que lorsqu'on prend la carte du Quai d'Orsay sur les conditions de sécurité sur le pourtour européen, le Maroc est le seul pays qui est en vert avec la Turquie. Donc il n'y a pas... Il n'y a pas photo, hein, on ne peut pas vouloir déstabiliser le Maroc comme ça. Quel est le nœud du problème? Juste pour qu'on comprenne bien encore. Alors, je rappelle encore une fois l'argument qui est avancé. L'application de cet accord au territoire du Sahara occidental viole le droit international et les engagements de l'Union européenne. Dans quel sens? Pouvez-vous m'expliquer cette phrase pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière tout ça? D'accord. Alors, premièrement, il faut qu'on dise aux téléspectateurs qu'il y a un problème juridique qui est posé au niveau de la définition du statut de ce qu'on appelle en droit international le Sahara occidental. Ça veut dire qu'il est programmé au sein de la 4e commission de l'ONU, qui dépend de l'Assemblée générale, et qui se charge de ce qu'on appelle la décolonisation. Et donc, depuis longtemps d'ailleurs, et je voudrais ici saisir l'occasion pour rappeler que le Maroc était aussi demandeur et avait demandé que le territoire alors était sous colonisation espagnole soit programmé et inclus pour qu'il bénéficie d'une décolonisation, d'une autodétermination. Et depuis lors, il y avait un problème juridique qui s'est posé. Quand les Espagnols sont partis du territoire officiellement en février 1976, et qu'avant il y avait ce qu'on appelle l'accord de Madrid 75 qui était tripartite, conclu entre le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne, un conflit malheureusement armé s'est déclenché, et on sait très très bien que l'Algérie soutenait le Polisario créé en 73. Alors l'ONU s'est saisie de la question, auparavant l'Organisation de l'Unité africaine, qui est l'ancêtre de l'Union africaine effective depuis 2002, s'est saisie de l'affaire, le dossier plus ou moins a migré vers l'ONU, qui s'est chargé de trouver un règlement pacifique. En 1991, il y a eu le cessez-le-feu qui a été conclu entre le Maroc et l'autre partie. Des négociations ont été lancées. Et je rappelle, en 2007, il y a eu la présentation du plan marocain d'autonomie, secrétaire général qui l'a présenté au Conseil de sécurité. Donc il y a un problème juridique qui est posé au niveau de la détermination définitive du statut de ce qu'on nomme en droit international le Sahara occidental. Bien. Alors, de ce point de vue, l'ONU a une responsabilité qui est celle de veiller à ce que, par exemple, les ressources naturelles puissent être exploitées dans l'intérêt des populations en question. Ce que le Maroc, d'ailleurs, a fait, je rappelle que pour ce qui est de l'accord de pêche, eh bien, des documents ont été fournis pour prouver justement que le Maroc répartit les revenus générés à la suite de l'exploitation halieutique. Et donc, quelque part, le droit international, pour le moment, sur le plan formel, rappelle qu'il y a un problème juridique qui est défini à ce niveau-là et qu'il faudra solutionner à travers des négociations
qui découle du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, libellée, résolution pacifique des différends, c'est-à-dire la négociation, l'arbitrage, etc. etc. Et donc, je pense que cette décision, c'est à rattacher à cette problématique générale qui est relative au droit à l'autodétermination. Évidemment, on peut qualifier qu'est-ce qu'on entend par l'autodétermination. Il y a aussi l'autodétermination interne qui peut être assurée par l'autonomie, etc. Pour essayer de clarifier, voilà. Tout cela est entre les mains des Nations Unies. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un problème de forme, hein, dans la manière avec laquelle ce problème est posé, entre les Nations Unies et l'Union européenne ? Depuis que le dossier a été transféré du continent africain, de l'OUA, aux Nations Unies, des pourparlers ont eu lieu, des négociations, etc., pour trouver une solution politique qui, avec l'accord de toutes les parties. Nous sommes toujours à ce niveau-là d'un blocage, puisque l'autre partie, c'est-à-dire le Polisario et l'Algérie qui l'alimente, refusent de discuter la proposition qu'a faite le Maroc au mois d'avril 2007, c'est-à-dire l'autonomie des provinces du Sud. Le Polisario, depuis que ces accords existent, que ce soit pour les produits agricoles ou bien de pêche, pose toujours ce problème de richesses naturelles qui doivent être, entre les mains d'abord des habitants du Sahara et aussi dans l'intérêt de ses habitants. Sachant très bien que ces richesses naturelles des provinces du Sud ne représentent que 2% des richesses nationales. Et que même pour les phosphates de Boukhara, ne représentent que 15% du stock que le Maroc a de ces phosphates. Si on compare l'effort financier que met le Maroc pour le développement des provinces du Sud depuis 1975, Laayoune est devenue maintenant une grande ville avec 350 000 habitants. Dakhla, un bijou, je l'avais visité plusieurs fois. Vraiment, il faut être fier de cette ville Dakhla, Boujdour, Smara, etc. Donc le Maroc a investi dans l'infrastructure, dans le dessalement de l'eau, dans l'agriculture, dans le tourisme, dans l'environnement, les aéroports, les hôpitaux. Donc, un effort financier qui est là, il faut le vendre, comme on dit. Il faut faire vraiment une campagne d'explication pour les gens qui ignorent ce qui se passe au Sahara. Je vais rester d'un point de vue politique, parce que quand même, il y a quand même on parlait du timing tout à l'heure, c'est pas rien. On était le 10 décembre, lorsque cette décision a été rendue. On est passé par l'épisode avec la Suède, qui a mis en exergue, on va dire, peut-être une insuffisance de communication pour contrer finalement tout le lobbying pro-séparatiste du Polisario et de la pseudo-rase. Est-ce qu'aujourd'hui, on souffre de ça? Est-ce qu'on manque de ça, même au niveau de l'Union européenne et au niveau des instances juridiques de l'Union européenne? À ma connaissance, il n'y a aucun État européen qui ait pris une position contre le Maroc, même la Suède. Il s'agit de groupuscules, disons, de groupes de pression qui sont propres à chacun des pays, qui se manifestent. Et donc, il s'agit effectivement de mieux vendre la position du Maroc, mieux expliquer les efforts que le Maroc fait pour intégrer économiquement les provinces du Sud et expliquer que finalement, l'appel au boycott de ces partis dessert en fait la paix et dessert les intérêts des populations. Et donc, ça vient tout à fait en contre-coup, en fait, des efforts à la fois de l'ONU et du Maroc pour résoudre le problème. Parce que, finalement, le boycott ferait que les populations resteraient désœuvrées et participeraient, en fait, à une forme d'instabilité. Et donc, ces boycotts-là viennent d'ennemis du Maroc. Et non pas des États amis du Maroc, la Suède et les instances économiques suédoises également dans leur quasi... On a bien vu la suite finalement qui a été donnée. Ils manifestent leur intérêt de promouvoir les relations avec le Maroc. Il y a une petite, un petit groupe de pression, une petite ONG qui s'appelle Emmaüs, qui elle œuvre avec à sa traîne quelques groupes, économiques qui sont petits au regard de l'économie suédoise,
qui l'ont suivi, et nous œuvrons pour leur expliquer que finalement cela n'a pas lieu d'être et que c'est contraire en fait aux intérêts qu'ils défendent, c'est-à-dire ceux des populations qui sont au sud du Maroc et qui ont tout à fait intérêt à ce que les échanges se développent. Et donc l'accord de libre-échange qui inclut les provinces du sud est en faveur en réalité des populations du sud parce qu'elles leur permettent tout simplement de travailler et donc de s'intégrer économiquement. Il n'y a pas que la Cour de justice oui. européenne, il y a aussi le Parlement européen. Mmh. Et c'est là où il y a le grand lobbying du Polisario. J'avais l'occasion de visiter le Parlement européen, j'étais invité en 92 et j'ai vu comment le Polisario et la diplomatie algérienne se mobilisent 24 heures sur 24 pour encadrer, pour faire connaître la thèse algérienne. Alors que malheureusement, notre diplomatie de ce côté-là a pris du retard, pour ne pas dire autre chose. Donc c'est un lobbying qui est très fort au niveau du Parlement européen, avec des donc on a des du écolos. Retard à ce niveau-là. On s'en rend compte parce que ça fait comme deux piqûres de rappel assez rapprochée. Deuxième entre les décision avec après la Suède Cour du 10 décembre dernier, il y a aussi une décision du Parlement européen demandant au Conseil de l'Europe de poser la question d'élargir les compétences du MINURSO quant à la surveillance des droits de l'homme dans les provinces du Sud. Donc ça rejoint Mme Kennedy et ça rejoint d'autres thèses qui veulent élargir la compétence du MINURSO qui, par définition, le MINURSO, il est fait pour organiser un référendum d'autodétermination. Il n'a pas eu lieu. Et pour aussi veiller au respect couvre-feu, comme on dit, d'arrêter les hostilités entre le Maroc et soi-disant le Polisario. Donc même ce MINURSO n'a pas eu lieu d'être Alors, comment dans il faut, les provinces. Comment il faut réagir aujourd'hui? Parce qu'on a bien eu la décision des ministères qui ont décidé lundi de rompre toute activité avec l'Union européenne après une demande du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est la bonne solution? Comment il faut réagir aujourd'hui? Je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'ordre juridique communautaire qui se dit être autonome par rapport à d'autres institutions internationales puisque l'Union européenne est une organisation d'intégration. Donc il y a des institutions qui sont supranationales et le cas de la Cour de justice est intéressant pour nous parce que sa jurisprudence quand même du point de vue de la pratique nous intéresse et m'intéresse personnellement en tant qu'internationaliste, ça d'une part. D'autre part, en 2012 déjà, le Parlement européen, au niveau du vote de l'accord agricole, on a vu à l'époque qu'il y a eu des abstentions, mais il y a eu aussi des refus des eurodéputés. C'est vrai, il y a les élections de mai 2014, mais à l'époque déjà, ils avaient manifesté des objections, je dirais plutôt corporatistes, parce qu'il fallait à l'époque préserver les intérêts d'un certain nombre de pays producteurs sur le plan agricole, comme la France d'ailleurs, mais aussi l'Espagne, etc. Par ailleurs, il faut dire aussi, moi je l'ai remarqué, que la Cour a plus ou moins un peu outrepassé peut-être ses attributions, puisque si on lit les résolutions de l'ONU, depuis plusieurs années, jamais il était question de remettre en cause les accords internationaux que le Maroc a conclus avec d'autres entités ou d'autres puissances, en l'occurrence aussi les accords conclus avec l'Union européenne. Il est plutôt question de préserver les négociations et d'aboutir à un accord politique mutuellement acceptable entre les deux parties. Donc il y a là certainement un élément politique qui couvre un peu ou qui est sous-entendu dans la décision et je crois qu'elle est venue à un moment où, je le déplore, en 2012 et 2015, peut-être le Maroc n'avait pas eu l'occasion de défendre sa position et d'apporter les éléments tangibles comme quoi l'accord agricole profite essentiellement aux populations du Sud, que le Maroc est un allié stratégique, un facteur de stabilité. Et d'ailleurs, même certains nombres d'instances européennes le disent très très bien, il faut veiller à ce que, sur le plan régional, le Maroc constitue et reste un interlocuteur crédible. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Excusez-moi de vous interrompre, mais en gros, là, on a cette décision. Le circuit, après, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un pourvoi, enfin, il y a un appel, hein, qu'on peut avoir dans n'importe quel tribunal, qui est avec le Federica Rogherini, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, a dit qu'il y aurait des pourvois qui seraient suspensifs, à la condition qu'il y ait des mesures transitoires. Excusez-moi, mais c'est quoi ça? On a des langages très extrêmement techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des mesures transitoires, un pourvoi suspensif. Vous me dites, par contre, que cette décision ne suspend pas les accords. Donc aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, de manière concrète, il n'y a rien qui suspend. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer?
Le Polisario a annoncé sa requête contre cet accord et contre la décision de l'Union européenne en 2012. La décision de la Cour européenne de justice tombe le 10 décembre 2015. Donc on a mis 3 ans pour prendre une décision. L'appel peut prendre aussi 3, 5, 10 ans. Donc c'est une lourde machine au niveau de la Cour de justice qui, d'après les attributions de cette Cour, d'abord c'est veiller au respect et à l'application du droit européen et deuxièmement veiller à la bonne interprétation de ce droit. Donc il y a 2 attributions, il n'y a pas lieu d'intervenir dans les questions politiques. Et c'est pour cela que nous disons que c'est un problème entre les Européens et qui a pris un visage politique du moment qu'il y a une intervention d'une entité qui n'est pas reconnue par la Cour de justice européenne, c'est-à-dire le Polisario. La Cour ne reconnaît pas la légitimité du Polisario, mais il a décidé ce genre de choses qui, d'après ce que nous avons pu suivre, qu'il y a unanimité pour faire l'appel et que ce sont les Européens qui vont certainement tout faire pour que ces accords agricoles et de pêche soient respectés par les deux parties. Mais enfin, on n'est pas dans un tribunal de commerce où on est en train de gérer un problème entre un fournisseur et un client. C'est-à-dire que là, si on est en attente, en appel pendant 5 ans, on a besoin de prospective. Vous êtes opérateur économique, vous ne pouvez pas rester dans l'attente en vous disant est-ce que ça va être suspendu ou pas à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que ça a nécessairement une portée politique aujourd'hui et elle peut être longue. Oui. Bah, je pense qu'il faut se saisir de toutes les données techniques et, disons, préparer une réponse à tous ces éléments-là. Je pense qu'on a un dossier qui est extrêmement solide, extrêmement fort. Et donc, il s'agit d'avoir, malgré tout, un bon avocat et de défendre notre position bec et ongle. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des règles internationales. L'Union européenne a des règles. Nous sommes partenaires avec l'Union européenne. L'Union européenne a des intérêts important au Maroc, on en parlera tout à l'heure, il s'agit pour eux de défendre leurs intérêts au Maroc, il s'agit pour nous de défendre notre développement et notre position, et donc ma foi, il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas bien, à la condition qu'on prenne le travail très sérieusement. D'ailleurs, je pense que le problème se poserait de toutes les façons avec nos autres partenaires s'ils voulaient prendre une position qui serait similaire, donc nous devons étudier de façon précise le dossier, comme l'a dit M. Abou Dahab, je pense qu'il a vu tous les arrêtés, il a lu tous les arrêtés, donc je pense qu'il est plus juste pour visualiser, c'est vrai que quand on parle de ce genre de choses, on dit la décision contient 250 paragraphes, donc c'est extrêmement technique, il va falloir plancher, il va falloir qu'une commission aille dans le détail pour voir... C'est-à-dire que les trois juges ont pris leur temps pour instruire le dossier sur la base des éléments factuels qui ont été donnés. C'est d'abord le Conseil. Alors quand on dit le Conseil, c'est soit le Conseil européen, soit le Conseil de l'UE, mais c'est le Conseil de l'Union européenne qui représente les ministères compétents, soutenu par la Commission européenne, et il y a l'autre partie. Mais là, le Maroc est absent. Il n'a pas eu l'occasion, dans le cadre d'une procédure contradictoire et dans le cadre du procès équitable, de faire valoir ses intérêts et ses points de vue, bien entendu. On peut toujours identifier des lacunes dans cette décision sur le plan de la qualification du statut du Polisario, s'il est un sujet de droit international ou pas, s'il est soi-disant représentant légitime du peuple sahraoui, etc., etc. Et je crois sur les éléments, ou sur la base des éléments qui ont été fournis par la Cour, il y a quand même quelques lacunes à identifier. Cela prendrait le temps et demanderait une expertise extrêmement fouillée et détaillée pour scanner la décision et identifier des interstices. Je pense qu'il y a des éléments par la suite qui pourront rééquilibrer les choses et réajuster le tir et introduire aussi des arguments non pas strictement juridiques, puisqu'on le sait en droit international, quand on traite de sources, il n'y a pas que les conventions internationales écrites, il y a aussi le droit coutumier, il y a aussi la jurisprudence, il y a les principes généraux de droit, et il y a également la possibilité pour les magistrats d'invoquer des considérations extrajudiciaires, comme l'équité, par exemple. Et cela... Alors, quel impact ça pourrait avoir si, on va prendre ces différents scénarios qui pourraient arriver au niveau de ces accords. On fait une petite pause, on en parle juste après. Alors, remise en question des accords Maroc-Union européenne, c'est le titre de l'émission de ce soir, si vous venez de nous rejoindre. On a essayé de comprendre, finalement, d'un point de vue politique, ce qu'il y avait derrière, d'un point de vue juridique, que c'était aujourd'hui dans les tuyaux, dans les méandres de l'Union européenne, qui, on le répète encore une fois, est une grande machine.
plus ou moins bien huilé. C'est à vous de me le dire à ce niveau-là. Est-ce que, avant qu'on rentre dans les différents scénarios qu'on pourrait avoir dans le cas où ces accords seraient remis réellement en question, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien dit, il y a des éléments juridiques à mettre en œuvre, à contrer, il y a aussi toute l'éducation finalement à faire, sur laquelle on a un peu pêché ces dernières années pour expliquer le problème du Sahara marocain. Est-ce qu'on a aujourd'hui, donc vous nous avez dit, ça va être une commission qui va plancher finalement pour pouvoir répondre, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que ça va prendre énormément de temps? Est-ce que finalement jouer la montre, ça va bénéficier à une ou l'autre des parties? Je pense que de toute façon, on a des relations qui sont multiples avec l'Union européenne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a également des négociations qui sont en cours pour un accord de libre-échange complet et approfondi. Je pense qu'il y a une demande de la part de l'Union européenne pour faire aboutir ces accords. Il y a une demande de la partie marocaine pour que l'accord soit plus équilibré. Et je pense, enfin, c'est une hypothèse parmi d'autres, que cette décision de la Cour de justice peut être un élément justement dans cette négociation. Donc il faut tout considérer. Je pense qu'il y a une... Ah, pour vous, ça peut être un accélérateur, on peut en prendre... Ah, je ne sais pas si ça peut être un accélérateur, non, ça peut être un élément de pression de la part de l'Union européenne sur les négociateurs marocains pour faire aboutir des questions qui sont plutôt problématiques pour nous. Donc il y a plusieurs façons de voir le problème. Je pense qu'il faut prendre le problème avec l'Union européenne dans sa globalité. Il y a un aspect juridique de fond qu'il faut travailler en soi. Et il faut également poser les problématiques du Maroc. Je pense que la réponse qui a été donnée, de dire de suspendre certaines relations, ça, c'est une réponse, comme il peut y en avoir plusieurs autres. Il faut tirer il faut avoir plusieurs cordes, plusieurs flèches à son arc pour pouvoir aller là où nous pensons qu'il faut aller. Nous avons des relations de façon qui sont essentielles avec l'Union européenne, et l'Union européenne a des relations essentielles avec le Maroc. Je ne pense pas qu'on puisse y aller comme ça tout d'un coup, les abattre par une simple décision mal documentée par une cour de justice, fût-elle européenne. Donc, tellement les relations sont historiques, stratégiques, et que tout le monde y tient à ce partenariat et à ces rapports. Il y a ce statut avancé qui date d'octobre 2008 qui donne... Mm-hmm. Au Maroc, une certaine, place sur l'échiquier méditerranéen. Et même pour cet accord agricole, on avait noté à l'époque où il y avait ce débat sur cet accord agricole, qui a été voté au Parlement, par le Parlement européen, avec 360 voix contre 225. Donc ça n'a pas été à l'unanimité des députés européens. Donc il y a une résistance à cet accord. Même cet accord qui, pour certains, est avantageux pour le Maroc, on avait noté un certain scepticisme de la part de nos exportateurs de produits agricoles, essentiellement de la région du Sousse, parce que cet accord ne peut que donner, disons, 10% d'augmentation des exportations. Malgré tout, il faut voir que les barrières non tarifaires, tout ce qui est pesticides, tout ce qui est phytosanitaire, tout ce qui est normes européennes, tout ce qui est procédures, sont restés là et que, ma foi, ce n'est pas un accord qui est très avantageux pour le Maroc. Donc ça peut être aussi une occasion pour remettre en cause les autres clauses de cet accord pour avoir plus d'avantages pour le Maroc, comme c'est le cas pour l'accord de pêche, où seuls les Espagnols en profitent, pleinement rapport aux bateaux européens. Vous me donnez l'occasion, pour faire la transition, pour parler finalement du contenu de cet accord. Je disais, qu'est-ce qu'on risque si on perd cet accord finalement? Est-ce que vous êtes d'accord avec Siwole Alou, représenté la CGEM, du fait, on dit finalement que c'est un accord déséquilibré, on en tire, l'Union européenne en tire plus parti que nous, est-ce que c'est vrai? Pourquoi et comment? L'Union européenne en tire plus parti que nous, c'est un fait. C'est-à-dire on a des échanges qui sont déséquilibrés en faveur de l'Union européenne, qui sont partiellement compensés parce que l'Union européenne est le premier investisseur au Maroc. Et également, il y a une aide qui est donnée par l'Union européenne au Maroc, vous avez cité tout à l'heure, je crois que c'est 200 millions d'euros par an. Mais en même temps, cet accord désavantage l'économie marocaine parce qu'il
octroie un avantage à l'Union européenne qui nous dessert sur notre compétitivité. C'est-à-dire que l'accord a été négocié dans les années 90 et il y a eu plusieurs accords de libre-échange qui sont venus par la suite et qui ont finalement mis l'industrie marocaine dans une situation extrêmement défavorable parce que ben, aujourd'hui on s'approvisionne depuis les pays les plus compétitifs avec des droits de douane à l'entrée au Maroc qui obèrent la compétitivité des entreprises marocaines. Alors de l'autre côté, le Maroc normalement devrait être à même d'exporter davantage de produits agricoles, mais cela a été dit tout à l'heure, l'accord agricole n'est que partiel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits marocains qui ne peuvent toujours pas entrer dans l'Union européenne. Et après, il y a des règles communautaires, notamment sur les règles d'origine ou bien sur le quota et le traitement des volumes qui sont hors quota, qui sont appréciés différemment d'une année à l'autre et qui finalement, parfois, annulent certains effets bénéfiques que nous ont apporté ces accords. Donc oui, l'accord est plutôt avantageux pour l'Union européenne, mais c'est plus le fait du Maroc. C'est pas le fait de l'Union européenne, c'est le Maroc qui octroie des avantages à l'Union européenne. L'Union européenne profite plus, ouais, finalement. Plus. Et même le volume de l'aide qui est fourni par l'Union européenne est probablement inférieur au profit qu'accorde le Maroc aux exportateurs européens du fait du différentiel d'imposition qui est donné par rapport aux importations provenant d'Asie. Les 200 millions d'euros, c'est probablement moins que le profit que font les exportateurs européens juste sur certains secteurs comme l'automobile par exemple. Donc oui, c'est plutôt avantageux à l'Union européenne, mais c'est notre premier partenaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus pratiquer une politique de terre brûlée. Nous n'avons aucun intérêt à gommer d'un seul coup tout ce qui a été construit depuis des années avec l'Union européenne. Il faut mieux construire, il faut que ça soit plus équilibré. C'est la demande du patronat marocain, c'est d'avoir des accords qui sont équilibrés. Nous voulons pouvoir exporter également nos services. Nous avons besoin, comme cela est prévu dans le statut avancé, qu'on ait effectivement un statut avancé. C'est-à-dire le statut avancé, pour l'instant, n'est qu'une déclaration. Il doit être acté par cet accord de libre-échange complet approfondi qui permettrait aux professionnels marocains de prospecter en Europe. C'est-à-dire que les cadres de nos entreprises doivent pouvoir aller démarcher leurs clients dans l'Union européenne, de même que les cadres européens viendraient au Maroc pour prospecter. Donc le problème des visas, ce n'est pas un problème, disons, simplement de touristes ou d'hommes d'affaires, c'est un problème qui est de professionnels. Il doit être compris comme cela, c'est-à-dire plus globalement, nous voulons avoir une relation équilibrée avec l'Union européenne, nous voulons accéder au marché unique européen et c'est notre volonté. Ça ne remet, disons, la décision de la Cour internationale de justice ou la Cour de justice européenne ne remet pas en cause cette volonté de l'économie marocaine d'être mieux arrimée à l'Europe. Mais mieux arrimée, pas un marché simplement pour les Européens. Est-ce que ce n'est pas l'occasion finalement d'aller, alors on sait qu'on a toute une stratégie quand même avec que ce soit le centre marocain de promotion des exportations, avec toutes les d'aller de manière proactive sur des nouveaux marchés, avec de nouveaux débouchés, je pense à la Chine, les pays du CCG, la Russie, les États-Unis. On a un accord avec les États-Unis. Alors qu'est-ce qui avant qu'on aille là-dessus, qu'est-ce qui différencie finalement cet accord qu'on a avec l'Union européenne d'un accord qu'on a avec les États-Unis? Je crois qu'il est très important de souligner la spécificité de l'approche européenne et marocaine par rapport à cet accord, qui est un élément d'une conception globale, qui inclut plusieurs dimensions interdépendantes, le politique, le sécuritaire, le stratégique. Et je rappelle d'ailleurs que le document sur le statut avancé, qui a été complété par un plan d'action, devant appliquer le plan d'action, qui couvre la période, le statut avancé devant couvrir la période 2013-2017, est un document qui est pluriel. On peut aussi déplorer le fait que depuis 2010, il n'y ait plus de sommet annuel entre le Maroc et l'Union européenne, ce que prévoyait le statut avancé, la première, c'était à Grenade en mars 2010. Donc certains mécanismes de concertation n'ont pas fonctionné malheureusement et ont permis de créer un certain nombre de failles, peut-être juridiques institutionnelles, et le résultat est cet arrêt qui a été décidé par la Cour, qui n'est pas définitif évidemment, il y a toujours l'appel, je crois qu'il faut en être confiant, j'y reviendrai. Mais la problématique la plus importante dans la démarche européenne, c'est la question des droits de l'homme, ce qu'on appelle la conditionnalité démocratique, et c'est ce qui mobilise
d'un certain nombre d'instances européennes, dont le Parlement européen. Et donc, la Cour ne doit pas aussi sortir de ce référentiel, à mon avis, qui est important, qui est le socle même de l'Union européenne, qui a été rappelé dans le cadre de ce qu'on appelle les critères de convergence en 1992, c'est-à-dire le critère politique, état de droit, démocratie, droit de l'homme. Deuxièmement, le critère économique, une économie compétitive. Et troisièmement, la convergence réglementaire, c'est-à-dire tous les membres de l'Union européenne doivent être aptes à absorber ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire toute la réglementation primaire, dérivée, etc. Et je crois que cette décision va inciter les Marocains à prêter une attention particulière au droit communautaire, son évolution institutionnelle, normative. Et c'est un paradoxe aussi. Et c'est un paradoxe. Parce que depuis le traité de Lisbonne de 2009, il y a eu des évolutions importantes. Le Parlement a acquis ce qu'on appelle la codécision, donc il peut parfois bloquer certains accords extérieurs conclus par le Maroc. Et on a vu que même sur le plan de l'accord de pêche, il y a eu des retards dus à la position de certains eurodéputés. L'initiative citoyenne qui permet à 1 million de citoyens européens représentatifs d'introduire des plaintes, etc. Et donc cette dynamique évolutive dans un contexte mouvant et changeant sur le plan géopolitique impacte le Maroc. Et à un certain moment, nous devons, sur le plan, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, de la diplomatie intégrer, à mon avis, le paramètre européen de façon à ce qu'on puisse prévenir ce genre de situation. Pour ce qui est de la démocratie et du respect des droits de l'homme, jusqu'à présent, le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, le Parlement européen appuient les réformes démocratiques. D'ailleurs, on parle beaucoup de cette constitution 2011, qui est une constitution, disons, plus démocratique que les précédentes, et que, ma foi, il y a une volonté politique au Maroc d'aller plus loin dans le respect des droits de l'homme et aussi asseoir la démocratie, en plus du rôle de la société civile, qui est un discours très diffusé par l'Union européenne. Et les Européens préfèrent discuter avec les membres de la société civile, les opérateurs économiques, directement qu'avec les responsables officiels. Cette convergence réglementaire, pour nous, qui est liée au statut avancé, est un grand chantier pour le Maroc. C'est un chantier prioritaire. Mais au Maroc, de mettre en place un plan national de convergence réglementaire, c'est-à-dire un rapprochement sur la législation européenne, ce qui n'est pas facile, mais c'est au Maroc de prendre la décision et de définir les priorités, dans quel secteur nous voulons avoir un rapprochement législatif. Ça, c'est le rôle du Parlement marocain, du gouvernement, de la société civile, des opérateurs économiques, du secteur privé. Tout le monde doit être mobilisé pour avoir cette convergence, disons, réglementaire, qui fait d'un Maroc compétitif, attractif pour les investisseurs européens, et aussi avoir une qualité de nos produits qui peuvent être compétitifs sur le marché européen et américain. Donc c'est un défi qui nous attend, il faut aller plus loin. La question que je vous ai posée par rapport à l'accord de libre-échange qu'on a avec les États-Unis, juste pour qu'on puisse comparer, que les gens puissent comprendre, on a cet accord avec l'Europe, mais avec les États-Unis... On a un accord avec les États-Unis qui est plus complet que l'accord que nous avons avec l'Union européenne, parce qu'il couvre plus de domaines. Mais il y a une grosse différence. Entre l'Union européenne et le Maroc, il y a 14 km. Entre le Maroc et les États-Unis, il y a 5000 et quelques kilomètres. Donc c'est toute la différence. L'Union européenne a également des accords très puissants avec la Chili et avec la Corée. Mais avec le Maroc, le problème se poserait de façon plus ardue, parce que nous devons couvrir effectivement les problèmes. Mais comme l'a dit M. Wale Alou, le problème de l'accord avec l'Union européenne, du statut avancé ou de l'accord de libre-échange complet approfondi, il est d'abord maroco-marocain. C'est-à-dire que nous devons nous saisir du problème. Et nous devons avoir une législation qui est cohérente dans tous les domaines, disons aussi bien réglementaire que normatif, dans le domaine du phytosanitaire comme dans le problème des normes industrielles. Et nous devons avoir un effort de réglementation des différents métiers. Et donc il y a un travail de fond au niveau de la société. Et est-ce que ce travail, disons, est mené
par, disons, toutes les personnes qui sont concernées. Est-ce que les questions sont bien posées? C'est en fait notre problématique. Nous ne voulons pas, nous en tant que patronat, avoir un accord qui finalement ouvre le Maroc comme un marché pour les entreprises européennes sans faire les réformes de fond qui permettraient d'asseoir notre compétitivité et de nous ancrer au marché unique européen. En fait, le problème, il est maroco-marocain. Il est d'abord entre nous, Marocains, et ensuite avec l'Union européenne. Mais l'Union européenne semble être très pressée. Elle semble vouloir avoir un accord rapide et elle fait pression de diverses manières, notamment en agitant la possibilité, par exemple, que l'accord soit signé avec la Tunisie avant qu'il soit signé avec le Maroc. Mais ce n'est pas notre intérêt non plus aux Tunisiens que d'aller trop vite, parce qu'il en va, en fait, de la cohérence de notre société. Alors j'ai une question intéressante de Oumaïma sur Twitter qui nous dit: en tant que pays acheteur, le Maroc, en signant ses accords de libre-échange avec des droits de douane nuls, ne risque-t-il pas de voir son déficit commercial s'aggraver? Elle rajoute: on a l'impression que le Maroc les signe pour des raisons politiques alors qu'il faut que nous développions notre économie, notre industrie pour pouvoir finalement bénéficier des avantages négociés lors de ces accords. Ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, qu'on est dans un problème maroco-marocain, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on est guidé par une politique? On voit bien encore que, bon, il y a l'économie, mais aussi on n'a pas fait l'effort de cohérence de l'ensemble de notre commerce extérieur. C'est-à-dire, en fait, nos relations avec l'Union européenne sont moins déficitaires que nos relations, par exemple, avec la Chine, alors qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange avec la Chine. Mais la Chine est très compétitive et l'Union européenne est beaucoup moins compétitive. Et donc, en fait, nous devrions avoir peut-être un excédent, disons, dans notre commerce extérieur avec l'Europe, si nous importions davantage de Chine dans des conditions qui seraient meilleures. Donc en fait, on n'a pas encore repensé notre commerce extérieur sous l'aune de la mondialisation. On est rentré dans la mondialisation sous le biais uniquement des accords de libre-échange. Fussent-ils nombreux, ça ne suffit pas. Nous n'avons pas de cohérence dans la structure de nos échanges. Et c'est ça le problème. Absolument. Moi, je crois que chaque accord a un particularisme. L'accord avec la Turquie est particulier, avec les pays de la zone d'Agadir, c'est-à-dire la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie. Les accords conclus avec l'Association européenne de libre-échange depuis 1997, incluant 4 pays, l'accord avec l'Union européenne, l'accord avec les États-Unis. À un certain moment, peut-être, il y a eu un engouement pour conclure des accords. Peut-être la logique qui a primé à l'époque était plurielle, y compris la dimension politique. Et je suis d'accord de considérer qu'au-delà des aspects techniques, il y a quand même une certaine vision qui est promue par le Maroc et qui consiste aussi à défendre ses intérêts en utilisant des vecteurs comme les accords de libre-échange. Mais l'accord avec l'Union européenne est très particulier parce que c'est un accord global. Combien même l'accord avec les États-Unis inclut plusieurs dimensions, y compris le droit du travail, l'investissement, la sécurité, mais qui est aussi problématique par rapport à la question du Sahara, il faut le rappeler. Celui de l'Union avec l'Union européenne est quand même un paquet global puisqu'il y a un accompagnement financier assez important. Le dernier, il y avait le PIN, ce qu'on appelle le Programme Indicatif National 2011-2013. Que nous n'avons pas avec les États-Unis ? Non. Les États-Unis, c'est plutôt le Millennium Challenge Account, toute une agence qui a été mise en place, l'Agence pour le partenariat et le progrès en 2006, en ciblant des secteurs particuliers comme l'huile d'olive, comme l'artisanat. Mais l'Union européenne, c'est un accompagnement qui est assez important. Le dernier, c'est le cadre unique d'appui, qui est de l'ordre à peu près de 10 milliards de dirhams, étalé sur 4 ans à peu près. C'est quand même. Et ce qu'avait dit le Marrakech, effectivement, la proximité géographique ne peut pas être ignoré dans notre démarche avec le principal partenaire commercial qui est celui de qui est l'Union européenne. On ne peut pas profiter du froid glacial qui règne pas seulement en Russie, enfin pas encore en Russie parce que l'hiver tarde à venir, mais entre la Russie et la Turquie pour aller draguer encore mieux le marché russe. C'est une opportunité ou pas? Il faudrait d'abord commencer par produire. C'est le problème, c'est-à-dire on veut bien exporter, mais si on produit rien, on n'exportera rien. Déjà avec le différent Russie-Ukraine, et Union européenne, oui. Le Maroc a fait des efforts pour exporter plus d'oranges et de clémentines qui sont vraiment le label très connu en Russie. Et il y a eu des foires, il y a eu des accords, il y a eu des conventions. On attend toujours cette visite royale pour Moscou, tout le monde l'attend pour avoir vraiment une relance sur ces accords stratégiques avec Moscou. Je reviens à ces accords de libre-échange. D'après les chiffres, ils sont là. Ces accords sont déficitaires pour le Maroc, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, etc. Maintenant, avec ce déficit, on est très prudent. D'ailleurs, les Canadiens sont très pressés pour signer un accord de libre-échange avec le Maroc. Le Maroc temporise et demande une étude d'impact
C'est le même cas pour l'ALECA, c'est-à-dire pour tout ce qui est zone de libre-échange avec l'Union européenne, qu'elle soit complète stratégique. On attend les études d'impact parce qu'il y a des conséquences, il y a des effets collatéraux qu'il faut analyser pour défendre nos intérêts nationaux, parce qu'on ne peut pas ouvrir le marché marocain à des produits vraiment de qualité, moins cher, comme c'est le cas de la Chine qui inonde le marché marocain. Excusez-moi de simplifier les choses, mais finalement ces accords, tout ce que vous me dites finalement, bon, on a du mal à en tirer profit de manière assez substantielle. Ce sont quoi ? Ce sont des déclarations d'amour qui nous permettent de... Ça revient encore finalement à l'aspect politique. Les accords, le Maroc les fait comme des concessions qui sont accordées à nos partenaires. C'est-à-dire, nous avons donné des droits à des intérêts étrangers à venir vendre leurs produits au Maroc, et parfois on leur donne également des droits supplémentaires pour produire éventuellement au Maroc. Ces mêmes droits ne sont pas donnés aux investisseurs marocains. Ça, c'est net. Et donc, dans ces conditions, on ne pourra jamais développer une industrie franchement marocaine. Il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, on donne des accords, on donne des droits, par exemple, aux entreprises qui viennent s'installer ici pour avoir des coûts qui sont plus bas que ceux qu'a un opérateur marocain. Dans ces conditions, ben, le Marocain innovera moins. Ou normalement, disons que la négociation qui est faite avec la partie étrangère devrait faire comprendre qu'il y a des situations de non-compétitivité qui doivent être gommées, et cette résolution devrait être généralisée. Moi, je pense qu'il y a une mutation profonde qui est en cours aujourd'hui dans l'espace économique dans le monde, que l'industrie est en train de revenir, disons, au premier plan, que les industries seront différentes de celles que nous avons jusqu'à maintenant, que les grandes industries ne sont pas forcément celles qui seront gagnantes demain, et que pour cela, nous avons besoin d'avoir davantage d'innovation et d'investissement marocain. Et donc, il faut remettre en place des conditions de compétitivité pour les investisseurs nationaux. Bien entendu que les investissements étrangers seront toujours nécessaires, parce qu'il y a parfois un savoir-faire technique ou des compétences ou des ouvertures de marché qui sont apportées par les investisseurs étrangers pour aller en Europe ou pour aller ailleurs. Mais on ne fera jamais l'économie d'avoir également un génie marocain qui permettra aux entreprises de durer dans le temps. Parce qu'un investissement étranger sera toujours un investissement qui sera opportuniste. Un investissement national, il est pérenne, il est pour toujours. Et on n'a pas la même approche pour cela. Et ça se voit également dans les accords de libre-échange que nous avons faits. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter une matière première de façon compétitive, vous vous adressez normalement à un Chinois, mais vous allez payer des droits de douane exorbitants pour entrer sur le marché marocain. Donc au fond, ça veut dire qu'on n'a pas envie qu'un industriel marocain soit compétitif. C'est comme s'il allait transformer comme ça subitement et être tout simplement compétitif parce qu'il a une machine qui a transformé son produit. Non, il y a un marché. Même quand le produit est transformé, il va se trouver dans une situation où, s'il a des coûts qui sont trop importants, eh ben, il ne fera pas cette transformation, il abandonnera. Mmh. J'ai vu trop d'entreprises fermées, tout simplement parce qu'on leur a augmenté les coûts. Il y a quelque temps, le coût du SMIC a augmenté. J'ai vu beaucoup d'entreprises au niveau de la confection qui ont fermé. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui ne sont plus capables de payer les frais de la CNSS. Et s'en est suivi soit un basculement dans l'informel, soit une fermeture de ces entreprises, qui est une perte d'emploi, ce qui est terrible. Ce qui est terrible pour les gens qui travaillaient dans ces entreprises, où même les droits sociaux ont été gommés au profit du maintien de leur outil de travail, mais dans l'informel. C'est terrible. La compétitivité, la compétitivité est un élément clé des accords de libre-échange. Mais alors, ce qu'elle est sentie aujourd'hui, est-ce qu'on est dans la bonne voie ? Vous le dites bien. C'est-à-dire, finalement, si on doit retenir quelque chose de tout ça, pour pouvoir profiter pleinement de ces accords de libre-échange, il nous faut de l'innovation, il nous faut de la recherche et développement, il faut que notre industrie soit plus... C'est une mise à niveau de l'économie marocaine. Il faut travailler juste pour rebondir sur ce que vous disiez, il y a des entreprises, j'ai découvert qu'il y a des entreprises on exporte de la fraise en Chine, la Chine les lyophilise pour les réexporter aux États-Unis qui l'utilisent dans la pâtisserie industrielle. C'est quand même, à un moment, on pourrait se demander pourquoi on ne les fait pas ici pour exporter directement. On exporte aussi du thé du Maroc vers la Chine.
C'est incroyable, il y a l'effet inverse. On importe du thé de Chine au Maroc, on le transforme au Maroc et on le réexporte. Il y a de l'innovation au Maroc. C'est-à-dire, il faut que les conditions de l'innovation puissent s'exprimer pleinement. Pour cela, il faut qu'on soit compétitif. C'est-à-dire, on ne doit pas considérer que l'industriel est quelqu'un qui est un peu à part et que c'est un goujat qui s'enivre au détriment de la classe ouvrière. C'est faux. C'est-à-dire, il doit travailler avec les forces vives de son entreprise pour pouvoir se développer. Et si on n'a pas fait ce saut pour comprendre qu'on est tous ensemble dans le même bateau et qu'on doit aller en avant, eh bien, on n'avancera pas. L'industrie, c'est un élément clé pour l'avenir. Il y a un plan d'accélération industrielle qui est en cours aujourd'hui, qui a le mérite de remettre au goût du jour l'industrie en proposant des incentives, des aides à l'investissement. C'est très positif. Mais il restera à mettre en place des conditions de compétitivité qui assureront la pérennité de ces investissements. Et c'est comme ça qu'on gagnera les accords de libre-échange. C'est-à-dire, je préfère ne pas payer de droits de douane sur mes intrants que recevoir une aide pour investir. Voilà. Si je continue à payer des droits de douane, fût-il de 2,5%, ben 2,5% sur un volume qui est important, c'est beaucoup d'argent. Et 2,5% pendant très longtemps, c'est plus que l'investissement que j'ai reçu en aide. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, il nous reste 4 minutes. Je voulais vous poser une question quand même. Le Maroc, l'économie et la politique sont souvent extrêmement liées. L'aura qu'a le Maroc aujourd'hui dans la situation internationale d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue coopération, est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi, en termes diplomatiques, d'aller prendre son bâton de pèlerin et justement de défendre la position du Sahara au niveau de l'Union européenne? C'est la fenêtre, finalement. Est-ce qu'il faut prendre, comme vous l'avez dit, c'est peut-être une opportunité, finalement, cette décision qui a été rendue? D'après ce que nous analysons, les défis qui sont posés à l'Union européenne, d'abord c'est le chômage, la crise économique, la problématique de la migration. Plus d'un million qui ont immigré, réfugiés ou immigrés, hein, parce qu'il faut bien s'expliquer sur ce concept. Il y a aussi la coopération sécuritaire, et le Maroc est bien placé, et tout le monde le reconnaît, tout le monde sollicite la coopération avec le Maroc sur le plan sécuritaire pour lutter contre le terrorisme et pour l'immigration clandestine. Donc le Maroc a des atouts, il a des cartes à jouer, encore faut-il que tout le monde participe à cet effort national, c'est-à-dire la société civile, et nous sommes disposés en tant qu'IMRI à participer à cet effort. La diplomatie parallèle, la diplomatie des chercheurs, des académiciens, des opérateurs économiques, des partis politiques, du Parlement marocain. Il faut que tout le monde, comme le disait Sa Majesté, l'affaire du Sahara, c'est l'affaire de tous les Marocains. Donc, il faut que tout le monde s'y mette pour défendre l'intérêt national et pour faire de ce dossier de souveraineté nationale un dossier prioritaire, mais aussi faire participer tous les opérateurs, tous les acteurs. Donc là, on s'en rend bien compte. Pour l'intérêt national. Après, je reviens encore une fois, Maroc-Suède, ça maintenant, il y a un moment où que ce soit les opérateurs économiques, la société civile, les responsables politiques, finalement, ce n'est pas en allant une fois de temps en temps pour défendre notre position vis-à-vis du Sahara, c'est quoi? C'est l'affaire tous les jours, c'est l'affaire tous les jours, tout le temps, et que ce soit. Même, comme vous l'avez dit, peut-être les opérateurs économiques ont encore plus de, finalement, plus de recul pour parler de ça de manière plus. Pour avoir l'oreille des opérateurs de l'autre côté. Permanente, ça c'est clair, parce que l'environnement aujourd'hui est très particulier, nous sommes dans un mouvement tectonique sur le plan géopolitique, un changement d'échelle avec toutes les problématiques internationales, du Daesh en passant par le dérèglement climatique, l'incident entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, etc. Et le Maroc, il faut qu'il prenne le temps d'examiner et d'analyser l'environnement géopolitique international et régional. Et je pense qu'il faudra, de ce point de vue, et c'est un peu un paradoxe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se démocratise et du coup on devient vulnérable. Ça veut dire qu'on donne à l'autre le droit de dire quelque chose sur ce qui se passe chez nous, c'est la conditionnalité démocratique, je l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez adhérer au marché intérieur européen, il faut que vous fassiez ceci et cela, c'est un peu le prix à payer. Néanmoins, le Maroc seul, à mon avis, ne peut pas défendre de façon percutante ses intérêts, et du coup, c'est une fenêtre d'opportunité
que de voir si nos voisins de l'Est sont prêts, dans le cadre d'une baisse tendancielle des prix du pétrole et la ceinture se serre en Algérie, la Tunisie évidemment et les pays membres de l'UMA, entre autres choses, pour peser sur la décision et aussi agir en amont et en aval sur notre partenaire, notre vis-à-vis principal. Et ça sera le mot de la fin. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez mieux compris la situation entre le Maroc et l'Union européenne sur ces accords de libre-échange. Excellente soirée sur Média TV. Vous pouvez voir la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route et on se retrouve demain.